Good afternoon. Good afternoon, 47. Your target is multi-platinum media sensation Jonathan Smythe. He is the subject of an international manhunt following his involvement in a multiple homicide 3 years ago. He fled prosecution but continues to release records and maintains an extensive financial empire that has only been bolstered by the controversy. We have learned that he will be hosting a private party somewhere in the palace grounds. This is the first opportunity to engage in over 3 years, so we must act immediately. Locating this party and bypassing security to reach the target will be your primary challenge. The clock is ticking, 47. Good luck. Hey, salut tout le monde, c'est Immortal71 Camille. On se retrouve aujourd'hui pour la nouvelle cible fugitive. Donc en fait c'est la, si je dis pas de bêtises, c'est la quatrième en fait réactivée, sortie au cours de l'année 2016 en fait. Voilà, et IO Interactive a commencé à réactiver les cibles fugitives pour ceux qui les avaient pas fait. En fin d'année dernière. Donc plutôt sympa, puisque encore une fois, moi j'ai pas pu faire les premières cibles. Donc c'est plutôt sympa. Donc notre cible s'appelle Jonathan Smythe. La sensation. On va donc s'occuper de lui. Au niveau inventaire, moi j'ai pris la corde à piano, on sait jamais, hein, Silver Baller de l'ICA, le crochet, mais ça se trouve on prendra peut-être le passeport ou enfin bref. De toute façon on va passer en sous-sol, désactiver les caméras donc. Je voulais prendre des pièces de monnaie, mais je pense pas que j'en ai vraiment besoin. Donc voilà. On prend quand même un poison au cas où. Donc là j'ai pris un déguisement du personnel, mais bon, je pense que c'est plutôt ça que je vais mettre dans son verre. Comme ça il dit monsieur ira aux toilettes. Voilà. Et on va piquer même un autre déguisement parce que celui-là ne conviendra pas. Voilà, donc ça c'est fait, on prend son déguisement, on va quand même le cacher lui. Voilà, je fais n'importe quoi moi. Voilà. Là maintenant ce qu'on va faire c'est qu'on va carrément passer par là, ce sera beaucoup plus rapide. Parce que par rapport à la vidéo, je pense qu'il doit être positionné vers les jardins, quoi qu'il peut aller n'importe où. Hein. Mais bon. Donc voilà. Voilà, ça c'est impeccable. Alors maintenant j'espère que la cible sera ici. Ah,
Et là, qu'est-ce qu'on a en verre? Qu'est-ce qu'il pourrait boire, le petit monsieur? Peut-être le verre de vodka, non? On tente le coup. À moins qu'il prenne du vin, je sais pas, mais... qui ne tente rien n'a rien, comme on dit. Oh, le coup de chance. Impeccable. Impeccable, dis donc. On va le suivre bien gentiment. De toute façon, personne ne peut nous repérer là. Maintenant, à savoir, sur le coup, je me suis dit qu'il allait peut-être vouer meilleur vers par-dessus la balustrade, mais bon, apparemment, il fait tout le chemin pour aller dans des toilettes. En supposant qu'il aille dans des toilettes. Parce que c'est pareil, je crois qu'il y a une poubelle dans le couloir, alors c'est à côté d'un agent de sécurité, ça va pas le faire. Ah, c'est pas vrai. Et mince. Mince, c'est vraiment pas de peau là. Ah, c'est vraiment pas de peau là. Ah ouais, là c'est vraiment pas de peau parce qu'il va vomir là-bas. C'est pas possible ça, il était pas censé faire ça. Je peux pas le tuer devant eux là, c'est pas possible là, je peux pas. Oh là là, c'est pas possible, mais pourquoi il va vomir ici quoi? Ah, j'ai vraiment pas de peau. Passe par là, non, tu passes ici. Ah, c'est pas vrai. Ah, j'ai pas de... Oh là là, j'y crois pas. C'est un sacré coup de chance, là, ce qui s'est passé. Oh yes! Yes! Ha! Comme je l'ai eu dans le coin. Eh ben. Eh ben, en tout cas, pas mal. Pas mal, là franchement, là je. Ah, yes, j'ai débloqué le costume d'hiver. Impeccable.
Là, franchement, pas mal. Là, franchement, pas mal. Je m'y attendais pas. Je pensais qu'il allait aller vomir dans un endroit plus discret que ça. Non, non, monsieur, il va dans une poubelle. Ouais, c'est. Ouais. Bah, pourquoi pas, mais en même temps, aller vomir dans une poubelle, tu peux le faire dans l'herbe là où il était, quoi. Enfin, ouais, enfin, je sais pas, ou par-dessus la balustrade, comme je le disais. Alors là, très très amusant. Mais en tout cas, je suis très content parce que là où je l'ai tué, quand même, c'était. Ça va, heureusement qu'ils étaient au loin et que personne ne passe à ce moment-là. J'ai vraiment eu de la chance. Donc, ça, c'est cool. Et en plus, j'ai bien fait de garder la corde à piano quand même. Et en plus, à un moment donné, je cherchais des pièces, mais j'en avais pas. Non, en tout cas, je suis super content. Donc voilà, bah, j'espère que cette vidéo vous a plu, du coup. Donc voilà, Assassin Silencieux, c'est nickel. Et donc, bah écoutez, je vais essayer de vous proposer la version Xbox One aussi. Ah, voilà. Donc voilà, je vous dis donc à bientôt pour la version Xbox One. Allez, ciao les amis. Bisous à tous!